can it be knocking at my door? Go away, don't come round here no more. Can't you see that it's late at night? I'm very tired and I'm not feeling right. All I wish is to be alone. Stay away, don't you invade my home. Best off if you hang outside. Don't come in, hide only, run and hide. Who can it be now? 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 Who can it? Who can it? Who can it be now? Allô? C'est pour signaler un cambriolage. Bon, très bien. Votre ordinateur est toujours là? Il y avait d'autres choses de valeur? Des idées notées sur des papiers, mais c'est tout. Est-ce que vous aviez des réponses à des QCM? Non, je leur fais pas passer ce genre d'examen. Vous auriez une description du cambrioleur? Un pantalon ou des chaussures? Non, rien du tout. Il y avait des caméras de sécurité? Non, pas à l'intérieur, mais franchement, il n'y a rien à voler ici. J'appellerai la sécurité du campus demain et je leur demanderai d'installer des caméras dans les couloirs et dans votre bureau. Claire, vous appelez le labo? Je voudrais qu'ils regardent partout pour voir s'ils trouvent un truc. Compris. Merci. Ok. Bon, vous devriez rentrer vous reposer. Oh, en fait, je pensais plutôt rester un peu, si ça vous embête pas. Non, mais la nuit va être longue. Vous voulez vous débarrasser de moi? Non. Au contraire, je suis ravi que vous m'ayez appelé. Comme il y avait une effraction, je me suis dit que peut-être vous aimeriez... Et c'est marrant, en fait, parce qu'avant, dans le même cas de figure, vous ne m'auriez... Vous aurez pas appelé. Non. Non. Allez, venez. J'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il serait venu chercher dans mon bureau. Ouais, je sais pas. Une petite question, est-ce que vous venez toujours aussi tard, le dimanche? D'habitude, non, mais on a ce festival du livre sur la littérature policière que mon département sponsorise, alors du coup, j'ai pas mal de choses à préparer. Ouais, vous avez dû les surprendre juste avant qu'ils ne trouvent ce qu'ils étaient venus chercher. Et franchement, j'arrive toujours pas à voir ce que ça pourrait être. C'est dingue. Je sais. Oh, au fait, c'est toujours bon pour demain? Absolument. On se retrouve en classe? Ouais, je raterai ça pour rien au monde. Tu m'as l'air... Oh, épuisée. Ouais. Je sais. Tu peux me préparer un double expresso, s'il te plaît? Bien sûr. J'ai passé toute la nuit avec Travis. Ah. Oh, non, c'est pas ce que tu crois. On est entré dans mon bureau par effraction, alors il est venu m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dérangé le voleur, il m'a balancé au sol et il s'est enfui. C'est pas vrai? Je vais bien, regarde, je vais bien. T'as prévenu ton père? Non, et non, il a pas besoin de le savoir. Je vais très bien, ok? Il faut qu'il se concentre sur le festival. D'accord. Amy! Ah! Betsy! Regarde-toi, tu as tellement grandi. Oui, ça doit être les épinards. Oli, oh, ouais. Betsy Crane, c'est moi la première éditrice des enquêtes d'Atticus Keller. Oli Chen, c'est moi la première propriétaire du Oli's Café. Bon, je suis ici pour le festival du livre, évidemment. Qu'est-ce que je vous sers? Une demi-tasse de café avec du lait d'avoine et un soupçon de vanille au-dessus, ce serait gentil. Je vous le prépare. Viens t'asseoir avec moi. Donne-moi un petit avant-goût du festival. Oh, le festival. Mm-hmm. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Si tu veux parler à mon père, je crois que tu devrais le faire directement. Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est parce que tes clés de voiture proviennent d'une location de chez Avex. Et ce matin, quand je suis sortie de la maison, il y avait une voiture de location de chez Avex garée dans la rue qui m'a suivie jusqu'ici. Donc, j'en déduis que tu as dû te dire que c'était préférable pour toi de tomber sur moi plutôt que de frapper à la porte et de venir nous voir. Et la seule raison pour laquelle tu veux me parler, c'est pour approcher mon père. Tu es très intelligente. Voilà. C'est moi qui t'invite. Merci beaucoup.
Merci. S'il te plaît, excuse-moi d'avoir utilisé ce stratagème. Oh, pas de problème. Bonne journée. À toi aussi. Bonjour, je peux vous aider? Phil Jenk, police de Reno. Vous êtes drôlement loin de votre juridiction. Je suis à la recherche de Graham Winslow. C'est son bureau, n'est-ce pas? Non, c'est plus le cas depuis 10 ans. Je suis sa fille. Ah, Annie. Amy. Amy, voilà. Il doit y avoir 16 ans de ça à peu près. Votre père m'a interviewé pendant plusieurs jours quand il écrivait Les bandits manchots. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous êtes ici. Je suis ici pour le festival du livre. J'ai des nouvelles histoires à raconter. J'étais dans le coin et je voulais recontacter Graham, mais son numéro a changé. Eh bien, vous n'avez qu'à me donner le vôtre et je lui ferai passer. Tenez. Cheng Security? Oui, c'est un job d'appoint. Les frais scolaires, ça coûte un bras. Oh, j'en sais quelque chose. Je donnerai cette carte à mon père. Bon festival à vous. Vous dites que je me trompe? Non, je dis juste que je vois les choses différemment. C'est une manière élégante de dire que je me trompe. On dira que c'est une façon de voir les choses. L'autre façon, c'est de dire que j'ai raison. Très bien. Si j'ai invité le lieutenant Burke aujourd'hui, c'était pour mieux comprendre le point de vue dans une fiction. Et plus encore, dans un roman policier où le point de vue de l'enquêteur est très souvent primordial. Et ce qui est important dans tous ces romans, c'est la question de savoir qui va résoudre le mystère. Dans le monde réel, c'est différent. Parce qu'en tant que policier, si je me concentre sur le qui, mes sensations, mon instinct risquent d'être faussés. Peut-être que j'aime beaucoup la personne et que je vais la préserver. Ou peut-être que ce sera le contraire. Dans les deux cas, je perds du temps et je m'éloigne de la résolution de l'enquête. Il vaut mieux suivre les preuves tangibles. Donc, la question que je dois me poser... c'est quoi? Et si je pars de mon quoi, eh bien, ça me mènera directement à mon qui. C'est la différence majeure entre un enquêteur sur le terrain et un auteur qui écrit un polar avec des scènes de crime. Le lieutenant Burke soulève un point essentiel dont nous avions discuté auparavant. Les meilleurs romans du genre ne se penchent pas seulement sur l'identité et le passé de leur assassin, ils dressent aussi le portrait de l'enquêteur. Oui, mais savoir qui je suis n'est pas aussi important que comment trouver des preuves. Vous êtes sûr de ça? J'en suis même certain, oui. D'accord, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais avant, je voulais remercier le lieutenant d'être venu partager avec vous son point de vue. Et je voulais aussi rappeler à tout le monde ici présent que l'université va accueillir le merveilleux festival du meurtre et du mystère et qu'il commence ce mercredi. J'espère que vous avez pris vos billets pour voir le professeur émérite Graham Winslow. Qui n'est autre que son père. Oui, c'est mon père, oui. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. J'étais bien? Les élèves ont applaudi. Ça en dit long. Oui, mais peut-être que je m'attendais aussi à recevoir des compliments de votre part. Ah, vous avez très bien travaillé, vraiment. Merci, merci beaucoup. De rien. Ça vous dirait d'aller grignoter un truc? Oh oui, avec plaisir, je meurs de faim. Ce matin, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Au fait, vous étiez super, Trev. Merci, mais écoutez, Bud, je sais qu'on vous appelle par votre surnom, mais si avec moi vous pouviez éviter, ça m'arrangerait. J'essaierai de faire attention. Amy! Ah, ça va, Tabitha? Bonjour, hey, professeur Felton, comment allez-vous? Très bien, mais appelez-moi par mon prénom. On a un souci assez urgent à régler avec le festival. On peut en parler? Oui, on se voit plus tard. On fait ça. Par ici. Alors voilà, Claire avait très envie d'essayer ce nouveau restaurant barbecue. Ouais, vous devriez l'emmener là-bas, Bud, c'est une très bonne idée. Alors, j'ai eu le listing final de tous les auteurs et éditeurs qui ont réservé des emplacements au festival. Et regarde, là. Rick Fitch? Mon père est au courant? Non, et c'est pour ça que je t'en parle, pour que tu puisses le dire à Graham. Oh, tu veux que ce soit moi qui annonce à mon père que son pire ennemi littéraire va envahir les terres sacrées de l'université d'Helmstedt? Du calme. Pire ennemi littéraire, c'est un peu exagéré, tu ne crois pas? Oh. Rick Fitch n'a pas fait un seul best-seller en 10 ans et ton père donnera une conférence à guichet fermé. C'est le jeu de la compétition. Je trouve ça normal que ce soit toi qui lui annonce. Tu vas lui en parler? Je vais le faire. Bye. C'est une blague. Papa, c'est rien qu'un stand. Ce type n'a rien publié depuis... 3 ans, oui, je le sais. Alors pourquoi il prend un stand à ce festival? Parce que des festivals, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, dans ma ville natale... Apparemment, ils ont réédité son premier livre. Ah, celui qu'il m'a volé. Et puisqu'on en est aux bonnes nouvelles, Betsy Crane est en ville. Oui, elle est venue me parler ce matin. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici?
Bah, c'est un festival du livre et elle est éditrice. C'est elle qui a édité Rick. Elle l'a signé il y a plusieurs années de ça. Et c'est elle qui, aujourd'hui, vient de rééditer ce bouquin. On va pas recommencer? Non. Oh, et il y a ce gars qui te cherchait aussi. Son nom, c'est Phil Jenk. Il voulait te parler d'une idée de livre qu'il avait. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà pourquoi j'avais pas envie de participer à ce festival. Dale m'aurait jamais fait participer à ce genre d'événement. Oui, mais tu vois, malheureusement, Dale est à la retraite. Quant à ta nouvelle éditrice, c'est quoi son nom déjà? Celia Bunton. Oui, voilà. Eh bien, elle dit que ce serait pas mal et que... ça élargirait ta clientèle. Ah, ouais, ouais. Cette éditrice rêve de décrocher le jackpot. Elle veut à tout prix que les romans d'Atticus Keller deviennent des films. Ses livres feraient des blockbusters, comme elle me le dit tous les jours. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu sais quoi? Je vais pas le faire, finalement. Non, tu non, peux pas non, faire ça. Ta conférence est à guichet fermé, pas tu grave, peux pas annuler. J'en rembourserai. Papa... c'est peut-être le moment idéal pour que je fasse comprendre à Madame Celia Bunton une chose primordiale. C'est à l'auteur de décider, pas à l'éditeur. Et si elle comprend pas, j'emmène tous les livres d'Atticus Keller chez un autre éditeur. C'est ce que tu vas lui dire? Je pense le faire, oui. Ça tombe bien, parce que elle débarque cet après-midi. Et on doit dîner ensemble au café Marion. Tu veux te joindre à nous? Non. Allez, viens. Pourquoi? Ça va être drôle de voir ton vieux père montrer à cette éditrice qui décide. Tu sais à quoi elle ressemble? Non, j'en ai aucune idée. On ne s'est parlé que par mail. Quoi? Tu veux dire que tu lui as jamais parlé une seule fois? Ma chérie, tu sais bien que j'aime pas parler avec les éditeurs. C'est dommage. Ça veut dire que je vais être la seule à parler de tout le repas. Bonsoir. Je suis Celia Bunton. C'est vous? Vous voulez que je vous montre mon passeport? Ah, c'est drôle, ça. Enchantée. Moi aussi. Oui. Et vous devez être Amy. Oui, c'est bien Amy, c'est ma fille. Safdie, voilà. Ravie de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous enseignez d'extraordinaires cours de fiction policière à la fac. Oh non, le mot extraordinaire non, est non, un non, peu... Non, pas de fausse modestie, ces cours sont admirables. Et oui. Je sais que c'est vous qui les avez créés et j'ai lu votre bio un bon nombre de un fois. Un bon nombre? Waouh. Oh, alors là, je suis vraiment très honorée, sincèrement. C'est mon travail de me tenir au courant de tout ce que font mes auteurs. Eh oui, évidemment, c'est votre travail. La mise en production d'un film est un long processus et sur ce point, je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucune urgence à transformer Atticus Keller en vedette du grand écran. Fou. Ah, c'est... C'est un travail très difficile d'adapter un livre pour le cinéma. Surtout vos œuvres qui sont une peinture exceptionnelle de la complexité des relations humaines. Pour moi, ce sont des œuvres littéraires avant d'être de la littérature policière. Raymond Chandler est un auteur très difficile à égaler. Mais Atticus Keller n'a rien à envier à Marlowe. C'est vrai, c'est la vérité. Ce qui est vrai, c'est le talent que vous avez pour l'écriture. Qu'est-ce que vous en pensez, Amy? Eh bien, pour quelqu'un qui vient tout juste de rencontrer mon père pour la première fois, vous le connaissez très bien. Écoute, j'ai beaucoup de travail à faire, alors je vais vous abandonner, mais il y a peut-être quelque chose que tu voulais dire à Celia à propos de ta participation à ce festival. Oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Génial. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Parmi la multitude de personnages de ce livre, le Comte de Deux Cités, il y en a un qui a un impact sur tous les autres. Il est omniprésent, mais... on le voit jamais. Quelqu'un a une idée de qui il s'agit? Personne? Oui, j'avoue que c'est une question piège. Mais la réponse est le temps. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Vous voyez, quand les gens lisent ce passage, leur attention se porte sur meilleur et sur pire. Alors qu'en écrivant ces lignes, Dickens veut que l'on se concentre sur la répétition du mot temps dès le début de son roman. Le Comte de Deux Cités nous parle de quoi? Ce roman est un miroir sur le temps qui passe et sur l'époque. Oui, le temps ici doit être entendu comme l'époque, en ces temps. Ok, j'espère vous voir au Festival du Livre. Merci et bonne journée à tous. Oui, allô, papa, quoi de neuf? Chérie, tu penses quoi de la chemise bleue de mon anniversaire? Je crois que je vais rester ici. Pas de soucis, bon appétit. Excuse-moi, qu'est-ce que je pense de quoi? Elle est trop voyante. Quoi? On parle de quoi, là, exactement? Eh bien, il y a un petit cocktail auquel tous les auteurs ont été invités ce soir. Oui, je sais bien, puisque je t'y ai invité il y a 3 semaines et t'as dit que ça t'intéressait pas. Oh, en fait, Celia trouve que ce serait bien que j'y aille. Ah, donc, tu vas avec Celia?
Je mets la chemise bleue. Ou alors, attends. Oh, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce polo bordeaux, tu sais? Ce polo que tu m'avais offert au Noël dernier. Ah oui, papa, je crois... Cette jolie chemise bleu clair, elle est pas mal, hein? Ah, en même temps, mais... il faudrait peut-être que je table sur un côté plus... plus classique. Couleur grise, un beau sweatshirt. C'est classique, ouais. Ok, génial. Merci, ma chérie. Et on se retrouve là-bas. Allô? Allô? Toc, toc. Ah, mm-hmm. Oh, désolé, vous déjeunez? Non. Je finissais, j'ai terminé. Quoi de neuf? Le labo dit que votre serrure a été forcée avec un pistolet de crochetage. Ce qui veut dire que votre cambrioleur n'en était pas à son coup d'essai, donc c'est sûrement pas un étudiant. Vous êtes en train de me dire qu'un professionnel du vol serait entré ici et n'aurait rien pris? Oui, je sais. Mais heureusement, s'ils reviennent pour chercher ce qu'ils n'ont pas trouvé... Boum! On les aura. Allez, faut que je retourne au poste. Régalez-vous avec ce sandwich au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète et banane. Banane? J'adore. C'est bon. Ah, salut. Bye. Oh, une seconde, Travis. Ce serait mieux de ne pas parler de ça à mon père. Quoi, que vous aimez les sandwichs beurre de cacahuète banane? Non. À propos de l'intrusion, je veux pas l'inquiéter avec ça. Ah, il est un peu stressé par le festival? Oui, surtout parce que son ennemi juré sera présent. Ah ouais, allez-y, racontez-moi. C'est un auteur qui s'appelle Rick Fitch. Il y a longtemps, lui et mon père étaient de très bons amis, et puis mon père a écrit son premier livre. Oui, je connais, Les Enquêtes d'Atticus Keller. Non, c'est pas son premier livre. Son premier, c'était un thriller qui s'appelait La femme perdue dans les bois. Ce que Rick a fait, c'est qu'il a sorti son livre juste avant celui de mon père, et devinez comment il s'appelait? Allez-y. La femme dans les bois. Et je suis sûr que c'est pas une coïncidence. C'était la même histoire que mon père, mais qu'il a réécrite. Mon père a tout de suite voulu l'attaquer, mais c'est ma mère qui l'a convaincu de mettre toute la rage qu'il avait dans une nouvelle création. Il l'a fait, et il a créé ce personnage de détective qui, après une trahison, décide de devenir un défenseur de la justice. Et c'est comme ça qu'est né Atticus Keller? C'est ça. Mais comment Rick a obtenu le script de votre père? Par son ancienne éditrice, Betsy Crane. Ouf. Mais évidemment, elle a toujours nié. Le point positif, c'est que mon père n'a signé contractuellement que pour 5 livres d'Atticus Keller avec elle, donc, une fois son contrat rempli, il a tout de suite quitté les éditions Betsy Crane. Et fin de l'histoire. Par contre, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que Betsy est venue aussi. Ah ouais, je comprends qu'il soit stressé. Rien de ce que vous m'avez dit ne sortira d'ici, c'est promis. C'est gentil. C'est normal. Je sais de quoi t'es capable. Devine où je suis. Bonjour, belle demoiselle. Hé, hey, waouh, t'es superbe. T'es adorable. Et merci d'avoir réussi à convaincre ton père. Oh, je crois bien que tout le mérite revient à sa nouvelle éditrice. Oui, effectivement, j'ai l'impression de voir... Un ado de 16 ans? J'allais dire, un homme heureux. Oui, je sais bien, je devrais être contente pour lui. Oui, ce serait une bonne option, en effet. Mais je sais. Oui, oh, on se voit plus tard. Oh, vous êtes ravissante. C'est très gentil à vous. Oh, vous n'êtes pas d'accord, grave? Absolument. T'es gentil. Tu es super. Toi aussi, quelle belle chemise. Ouais. Papa. Hein? Oh. Rick Fitch. Eh ben, ça fait un sacré bout de temps, Graham. Celia Bunton, son éditrice. Rick Fitch. Et voici Tabitha Felton et Amy Winslow. C'est ma fille. Ce sont les responsables des départements d'anglais et d'histoire qui sponsorisent ce festival. Enchanté. Alors, c'est vous, Amy? C'est moi, Amy. Oh, vous me rappelez votre mère. Merci. Bien, je tenais juste à te voir et te dire combien j'ai adoré ton nouveau livre, Musique funèbre. Ah, merci, mais t'es pas obligé, tu sais. Au contraire, c'est sincère. Ça a dû être libérateur d'écrire ce livre juste après la mort de Julia. Je voulais vous présenter mes condoléances à toi et à ta fille. J'aurais dû envoyer un mot quand j'ai appris cette triste nouvelle, mais... Merci pour cette pensée, Eric. Oui. Julia... Elle était une femme extraordinaire. On est d'accord sur ce point. Ouais, quoi qu'il en soit, ravi de vous avoir rencontré. Mais bonne chance à toi pour ce festival, Graham. Même si tu n'en as pas besoin.
Bon festival, Rick. Ça va? Ouais. Ouais. Il semble vouloir enterrer la hache de guerre. Ouais. Ouais. Bon, santé. Oui. Santé. À cette magnifique journée. Non, je comprends pas. Je suis venu avec et elle n'était pas dégonflée. T'as peut-être roulé sur une vis ou sur un clou. J'appellerai le garage demain matin. Oui, mais... Je te raccompagne chez toi. Et Célia, je peux vous raccompagner aussi. Oh, mon chauffeur vient d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Bye. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Quoi? Tu sais ce que je pense. C'est une femme adorable. Mm-hmm. Où est ta voiture? Juste là. On y va. Graham Winslow! Salut. Bonsoir. Est-ce que nous nous connaissons? Anna Steinhausen, présidente du fan club allemand de Graham Winslow à Francfort. Oh, j'arrive pas à croire que je touche la main qui a écrit autant de succès. Oh. Alors comme ça, il y aurait un fan club de Graham Winslow à Francfort en Allemagne. Oh, bien évidemment. Graham, je viens de voir que malheureusement vous aviez des petits problèmes de voiture. J'ai la mienne qui est garée là, je vous raccompagne. Oh, c'est ma fille qui va s'en charger. Oh, oui, absolument. Oh, professeur Amy Winslow, oh bien sûr, enchantée. Anna Steinhausen. Enchantée. Si ça vous embête de devoir accompagner votre père, je serai ravie de m'en charger, j'ai ma voiture juste là. Oh non, ce sera pas nécessaire, je vais bien m'occuper de lui. Hein. Mais merci, passez une bonne nuit. Ravie de vous avoir rencontré. C'est tellement plus que ça pour moi, si vous saviez, Graham. Ouais. Faites de beaux rêves. Merci, ma chérie. Oh. Oh. Wow. Tu crois pas que c'est elle qui a... Quoi? Crever ton pneu pour qu'elle puisse te raccompagner? Je suis prête à parier que oui. Ah, on va de surprise en surprise. Ouais, Phil Jenk. On dirait bien qu'il est impatient de me voir. Graham? Phil. Amy m'a donné ta carte. J'avais l'intention de t'appeler, mais j'ai été pas mal occupé. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait mieux de venir te voir. À 10h du soir. Qu'est-ce qui se passe, Phil? Il va falloir qu'on parle. Salut. Bonsoir, Graham. Merci d'être venu. Non, de rien, c'est normal. Travis, Phil Jenk. Police de Reno. Reno dans le Nevada. Vous devez connaître Billy Tremont. Il bossait avec moi à Chicago avant de partir dans votre belle ville. Non, ça ne me dit rien. C'est un type bien. Vous pouvez me répéter ce que vous avez dit à Amy et Graham? Eh bien, il y a quelques jours de ça, voilà ce que j'ai reçu à mon bureau. C'est un pass pour le festival avec ça décrit. Vous êtes joueur. Le jackpot tombera à la mort d'Atticus. C'est tiré du livre qu'a écrit mon père. Ouais, Les bandits manchots. Je viens de le finir, c'est un super livre. Merci. Vous avez mis le labo sur le coup? Pas d'empreinte, pas d'ADN. Ça a été posté de Los Angeles. Pourquoi vous n'avez pas contacté nos services? Vous avez lu Les bandits manchots, alors à votre avis? Ouais, c'est vrai. Atticus a des soucis avec un flic et il s'avère que c'est un ripou. Ouais, mais on m'a dit que vous étiez clean. Donc... Quelqu'un vous aurait envoyé ça parce que vous avez collaboré avec mon père dans le passé. Y a quelqu'un d'autre sur le festival avec qui vous auriez travaillé? Rick Fitch, ouais. Amy m'a raconté votre histoire. Ouais, il est venu nous parler au cocktail. On a enterré la hache de guerre. C'est quoi votre histoire avec Rick? Pareil que pour Graham. J'ai été son conseiller pour un livre. Lequel? Il a dit qu'il n'avait pas encore fini de l'écrire. Surtout, il n'a pas payé ce qu'il me devait. Ah ouais? Et combien il vous doit, au juste? Vous procédez à un interrogatoire, lieutenant? C'est moi qui vous ai apporté ça. Hé, Phil. Je ne fais que mon travail. Le même que le vôtre. Il me doit $10,000, ok? C'est beaucoup d'argent. Je vais me charger de ça. Ok. Surtout, ne le perdez pas. Il est en bonne main. Bonsoir. Merci, Phil. Pas de problème. Écoute, ouais, on devrait se parler après le festival, toi et moi, parce qu'il y a un livre qu'on pourrait écrire ensemble. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Génial. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, une idée? Ben, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez reçu des lettres de menace. Non. Très bien.
C'est peut-être une mauvaise blague, mais peut-être pas. Du coup, je vais demander à un agent d'assurer votre sécurité durant tout le festival. Génial. Vous êtes le meilleur, Travis. Vous allez bien ? Non, pas vraiment. Vous savez que je suis sur le coup, quand même. Oui, je sais. Et vous êtes efficace. Ça fait 2 nuits d'affilée que je vous appelle en urgence. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Enfin, il faut quand même une effraction, une menace sur votre père. Enfin, oui. Quelque chose de professionnel. Évidemment, hein, il faut que ce soit professionnel. Non, je m'excuse. Oui. Je suis en service, alors. Ouais. Bien. Donc, on va se revoir au stand de mon père demain ? Mais oui, absolument, je serai là. Super. Oui. Bon, bonsoir. Hé, derrière vous, il y a un gars assis dans une voiture qui arrête pas de nous regarder. Bonsoir. Je peux vous aider, monsieur ? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec Arnold Van Vliet de Fresno en Californie auparavant ? Non, ça ne me dit rien, non. Et comment il est ? Décès par arme à feu. Le légiste dit que ça a dû se passer entre 8h et 9h ce soir. Oh, papa et moi, nous étions encore au cocktail, mais Phil Jenk aurait pu se trouver là. Il nous attendait dehors devant la maison quand on est rentré vers 10h. Ouais. Très bien, j'irai parler à Phil. Il faudrait qu'on aille questionner les voisins. Oui, j'arrive. Merci. Ok, ma chérie. Fais attention à toi, rentre. Oui, t'inquiète pas. Je t'aime. Moi aussi. Je vais m'en occuper. Merci pour votre boulot, les gars. Hé! Hey. Ah! Ça va? Ouais. Tu me fais une recherche sur lui? De nouveau, sur Arnold Van Vliet? Non. Aucun des voisins de votre père ne sait qui il est. Il n'a pas de casier, il n'y a rien. J'ai demandé à un enquêteur qui est à Fresno d'aller à la pêche aux infos dans son quartier. De mon côté, j'ai fait pas mal de recherches internet et ce que je peux vous dire, c'est que ce gars n'utilisait aucun réseau social. C'est curieux, enfin. Vous avez l'air inquiète. Cet homme a été tué en face de la maison de mon père. Et il y a aussi ce message ambigu. Et au fait, est-ce que vous avez pu parler à Jenk ? Non. J'ai laissé plusieurs messages sur son portable et j'ai aussi appelé son hôtel. Vous vous souvenez que je lui ai parlé de Billy Tremont, un ami de Reno, et Jenk a dit qu'il ne le connaissait pas ? Oui. Eh bien, Billy le connaît. Et accrochez-vous, Jenk est en congé alors qu'il fait l'objet d'une enquête des affaires internes pour avoir mis sur écoute les téléphones de son supérieur qu'il comptait faire chanter avec les enregistrements. C'est pas possible. Si, ça l'est. Phil Jenk est un narrateur non fiable. Ça veut dire ? Oh, c'est un terme d'auteur. Ça veut dire que quel que soit le narrateur de l'histoire, il n'a pas été honnête. Ah. Je crois que le meilleur exemple, on peut le trouver chez Agatha Christie dans Le meurtre de Roger Ackroyd, où le narrateur est en fait le tueur. Oh. Vous me l'avez spoilé. Désolée, mais tout ce que je voulais vous démontrer, c'est que tout ce que vous avez trouvé remet en question le témoignage de Phil. C'est vrai. Et s'il s'était envoyé cette lettre à lui-même pour se rapprocher de mon père et lui pitcher l'idée du livre qu'il veut écrire avec lui ? Ah. On devrait aller au festival et essayer de le trouver là-bas, puisqu'il ne répond pas aux appels. Allons-y. On y est. Je vais vous donner un badge pour avoir accès à tout. Ok. Et voilà. Merci. Waouh, Amy. Vous avez fait un super boulot. Oui, le festival a du succès. Par contre, je vois pas Jenk. Amy ! Travis ! Salut ! Qu'est-ce que vous faites là ? On veut une dédicace de Graham. Je me souviens. Vous, vous savez qu'il peut vous le dédicacer n'importe quand sans que vous ayez à faire la queue. Ouais, mais c'est plus excitant comme ça. Hey. D'accord. Amy, vous avez vu cette femme ? Merci à vous. Elle a votre père sur son t-shirt. Ah oui, c'est elle qui a proposé de nous raccompagner quand le pneu de la voiture de mon père était crevé. Ça fait un peu flipper. Ouais. C'est elle que vous cherchiez ? Non, un officier de police. Et pas celui-là. Ni celui-là. Non. On est en sécurité avec vous. Ouais. Bonne dédicace. Attention, la file s'allonge. Maintenant, il y a encore plus de monde. Eh ben, il y a 2 fois plus de monde. Hein ? Quoi ? C'est Rick Fitch, juste là.
Le gars qui a volé le livre de mon père. Oui, oui, la femme dans les bois. Oui. Il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être intéressé par la réédition. Amy, bonjour. Bon. Oh, ça va, Rick? Vous pouvez venir plus près, hein, je ne mords pas. Non, vous ne mordez pas. Rick Fitch. Travis Burke. Excusez-moi, je n'arrive pas à dormir dans les lits d'hôtel. Moi non plus. Je vous donne un tuyau. Vous prenez un bon bain bien chaud juste avant de vous mettre au lit. C'est vrai? Et ça marche? À chaque fois. Oh, alors c'est votre nouveau livre, ça? Oui, en effet. Vous savez quoi? Je vais vous en acheter un. Amy! Ah! Tu fais quoi, au juste? J'allais acheter un livre. Hors de question, je te laisserai pas faire ça. Cadeau de la maison. Voilà ton thé glacé, Eric. Dis-moi, je peux te parler? Oui, bien sûr. J'ai bien tenté de parler avec ton père, mais il était... un peu submergé. Ouais. Pourrais-tu avoir la gentillesse de l'inviter pour moi à mon camping-car? Camping-car? Oui, je suis venue ici avec. Et je me suis garée sur cet endroit paradisiaque au bout de la route 301. Oh, d'accord. Est-ce que Rick sera là aussi? Non, il déteste la nature. Si ça ne tenait qu'à lui, il ne quitterait jamais son appartement. Mais n'hésite pas, viens me rendre visite toi aussi. Et amène ton petit copain. Je suis pas son ami. C'est mon collègue. Relation de travail. Voilà. Bon, qui que vous soyez, bienvenue. Merci. S'il te plaît, donne ça à ton père. On se voit plus tard. D'accord. Bye. Alors, allez, venez, continuons de chercher Jack. Il est là-bas. Mm-hmm. Notre narrateur non fiable. J'ai pas l'impression que ses interlocuteurs soient très intéressés. Non. Hey. Alors, Jack, on s'amuse? Bien sûr. J'ai vu que vous avez placé un gars pour la sécurité de Graham, c'est bien? Oui, merci beaucoup. Je voulais vous demander, vous êtes arrivé à quelle heure chez Graham hier soir? Un peu avant 10h. Ouais. Et vous étiez où entre 20h et 21h? Pourquoi? Répondez simplement. J'étais à mon hôtel. J'ai commandé un room service qui n'a pas été livré avant 20h20. Je le sais parce que j'étais pas content que ça leur prenne 45 minutes. Vous pouvez appeler l'hôtel, ils vous le confirmeront. Ou peut-être bien que de collègue à collègue, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me questionnez. Arnold Van Vliet. Ce nom est censé me dire quelque chose? J'en sais rien. Au fait, bonne chance pour votre livre. Merci. Salut, Jack. Vous croyez ce qu'il dit? Je vais quand même me faire confirmer par l'hôtel pour le room service, mais vous avez l'impression qu'il connaissait Van Vliet, vous? Honnêtement? Non. Ah, c'est le timing parfait! Ma chérie! Ça, Célia? Il est venu. Célia, je vous présente notre ami le lieutenant Travis Burke. C'est grâce à lui que nous avons eu droit à un ange gardien. Célia Bunton. Enchantée. Alors, comment ça s'est passé? Il a été brillant. Comme d'habitude. Est-ce que t'as fait regonfler ton pneu? En fait, il a été crevé. Attendez une petite seconde. Il a été crevé avec un couteau? Ah, je le savais. C'est la fan hystérique qui a dû faire ça. Ok, Graham. Écoutez-moi. Si jamais un autre événement de ce genre se reproduit, il faut absolument que vous m'en parliez. Oui, mais ça s'est bien passé aujourd'hui. Oui, parce que l'officier Hightower était juste à côté de vous. Papa, Betsy Crane voulait que je te donne ça. Mon camping-car au bout de la 301, c'est le droit chemin. C'est une blague? Une conversation avec cette femme ne peut se terminer que par la mort de l'un de nous deux. Et j'ai plutôt prévu d'emmener Célia à Hawke's Peak, pour le point de vue. À Hawke's Peak? Il dit que la vue est splendide. Oui. Dites-moi tous les deux, si on se retrouvait à l'hôtel pour une petite soirée tapas, on dit 20h? Ok. Génial, partons vite d'ici avant le coucher du soleil. Bye! Bye. C'est quoi l'histoire avec Hawke's Peak? C'est juste que c'est là qu'il emmenait ma mère. Et d'un autre côté, je veux pas qu'il reste seul. Et elle est charmante, je trouve. Elle est belle et intelligente et elle a cette élégance anglaise qui fait craquer tout le monde. Je sais pas, je suis... Votre mère vous manque. Vous êtes un très bon enquêteur. Je le sais. Vous voulez qu'on aille voir d'autres livres? Ouais. Comment est-ce que je suis arrivé à acheter plus de livres que vous? C'est que vous devez être sensible à mon influence. Ah. Non, je t'interdis de faire ça. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est Betsy Crane.
écoute bien ce que je vais te dire. Si tu le fais, alors je t'achèverai. Est-ce que c'est une menace? C'est un avertissement. Tenez, vous pouvez me garder. J'ai le droit de faire ce que je veux. Excusez-moi, vous avez un problème? Ah, le collègue de travail. Oui, lieutenant Travis Burke. Ah, aucun problème, lieutenant. On va dire que j'exerçais mon droit à la parole. Au revoir. Elle a un sacré caractère. Ouais, et ils sont pareils tous les deux. Mon père avait vraiment raison de les éviter. Bon, je vais retourner au poste et continuer mes recherches sur Van Vliet. On se voit ce soir? Ouais, bien sûr. Oh, c'est intéressant. Ah, la voilà. Il ne manquait plus que toi. Travis était en train de nous parler de ce pauvre gars qui a été tué dans sa voiture en face de chez moi. Et je disais à votre père et à Celia qu'Arnold Van Vliet était marié apparemment. Et qu'il y avait souvent des disputes à leur domicile entre lui et sa femme. Il était violent? Non, c'est elle qui le frappait. Mais il n'a jamais porté plainte contre elle. Curieux. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Il y a une histoire sur Bookblog qui raconte comment Rick Fitch aurait plagié La femme dans les bois qui avait été écrit par Graham. Laissez-moi voir. Ils disent que Betsy Crane aurait transmis le manuscrit à Rick. Pourquoi ils ressortent cette histoire après toutes ces années? Bookblog couvre le festival. Je suppose qu'un jeune journaliste a envie de faire parler de lui en faisant le buzz. Je ne vous dois absolument rien. Je veux mon argent. Je ne vous dois rien. Où est mon argent? Excusez-moi. J'en ai rien à foutre de vos excuses. Et j'en ai rien à foutre de qui signe le chèque. Hé, hey, du calme. Du calme. C'est quoi le problème, Jack? Aucun problème, Burke. Tant que ces deux-là me payent ce qu'ils me doivent. Malheureusement, je crois que vous n'avez pas lu votre contrat. Un contrat vous engage. Un contrat, c'est une preuve. Alors dans ce cas précis, j'ai tous les droits. Ça suffit, Jack. Montez dans votre chambre et essayez de vous calmer. Ou sinon, on va devoir continuer cette conversation au poste tous les deux. Je m'en vais. Je m'en vais. Le spectacle est terminé, mesdames et messieurs. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, je suis aux premières loges. Je vais bien, lieutenant. Parfait. Oh, Graham! Désolée pour tout ça. Finalement, on arrive à se voir. Betsy. J'espérais vraiment qu'on se rencontre. Et pourquoi c'était si important qu'on se rencontre, au juste? Tu vas revenir travailler avec ma maison d'édition. Je peux savoir pourquoi je le ferai? Oh, je vois au moins 5 bonnes raisons de le faire. Très franchement, je suis extrêmement heureux avec mon éditrice actuelle. Où est Celia? Elle était à côté de moi. Celia? C'est très bizarre. Ah, je vais l'appeler. Junk a pété un câble. Il est incontrôlable. Ouais. C'est le répondeur. Peut-être qu'elle est montée dans sa chambre. Je vais demander à l'accueil de l'appeler. Ok, je vais le dire à Travis. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît... C'est de votre faute! J'ai lu toute l'histoire qui était sur Internet! Calmez-vous un peu, d'accord? Calmez-vous. J'ai été l'éditrice de Graham. C'est grâce à moi si vous savez qui il est aujourd'hui. Vous n'êtes qu'une traîtresse, Betsy Crane. Vous méritez de finir comme Jill Killian dans le roman de Graham, La robe écarlate. Allez, ça suffit. Je vous demande de partir, tout de suite. Et est-ce que je peux vous suggérer, Madame Crane, de retourner à votre camping-car? C'est exactement ce que je comptais faire. Parfait. Il y a des livres qui déclenchent des réactions incroyables. Oui, je sais. Vous voulez qu'on aille rejoindre votre père? Comme Celia a disparu, mon père s'est mis en tête de la retrouver, alors... Certaines personnes ne supportent pas d'assister à des disputes. Et je comprends pourquoi. Ouais, c'était flippant. Oui, Betsy, c'est une vraie furie. Et Anna, elle est cinglée. Oh. Où est-ce qu'ils sont tous partis? J'en sais rien, on n'a qu'à demander à la réception. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Un homme est venu vous demander d'appeler Celia Bunton tout à l'heure? Oui, j'ai appelé sa chambre, mais elle n'a pas répondu. Il est monté la voir? Non, une personne l'a abordé. Oh, c'était une femme un peu bizarre. Non, un homme. Un de nos auteurs, Monsieur Fitch. Ah, vous sauriez par hasard où ils sont allés? Ils sont partis vers l'entrée. Génial, merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'il est? Je comprends pas où il est allé. J'en sais rien, peut-être fêter leur retrouvaille. Bon, je vais essayer quand même de la voir. Salut, c'est Graham. Laissez-moi un message. Son répondeur.
Papa, je suppose que t'es partie te réconcilier avec Rick Fitch. Ce qui est super. Si tu pouvais quand même m'appeler, ce serait bien. Merci. Ah, décidément, je m'attendais pas du tout à finir la soirée comme ça. Non, non, c'était une soirée étonnante. C'est clair, ouais. Bon, bah, je crois qu'on peut rentrer dormir maintenant. Ouais, il n'y a plus que ça à faire. Je suis juste garée là. Je vous escorte jusqu'à la voiture. Ah, oh, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Et pourtant, vous voyez, je le fais avec plaisir. J'en doute pas. Hein. Regardez ça. Voilà, on y est. On y est. Ok, bah, bonne nuit. Vous aussi. Bonne nuit. Dormez bien. Papa ? Chérie, j'arrive, je suis là. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir ? Je t'ai appelé, je t'ai laissé des messages, t'as répondu à aucun de mes appels. Je suis désolé, Rick et moi, on est partis à la recherche de Célia. On s'est retrouvés finalement ici, on a commencé à discuter, j'ai pas vu le temps passer et... Oh, ça m'a épuisé. Oh, ok, eh ben dis donc. T'as parlé à Rick ? C'était... Ouais, bien. J'ai... Ouais, bien. Ouais ? Ouais. Ok. Oh, j'y vais. Bonjour. Salut, Amy. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Merci. Ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Betsy Crane a été assassinée. Assassinée ? Quoi ? Assassinée ? Mais vous en êtes certain ? Oui, c'est un meurtre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je préférerais vous donner les détails un peu plus tard. Travis ? Graham, venez avec moi au commissariat. J'ai des questions à vous poser. Oui, bien sûr, je vais me changer. Non, attends une petite minute. Pourquoi ? Vous pouvez pas lui poser les questions ici ? Vous savez bien comment je travaille. Je sais bien comment vous procédez avec vos suspects. Non, chérie, Travis est simplement venu me demander de l'aide. J'en ai pour une seconde. Merci, Graham. De rien. Vous allez trimballer mon père en ville et vous allez... Je ne vais trimballer personne, d'accord ? J'espère que vous allez aussi parler à Phil Jenk. Évidemment. Je vais parler à Rick Fitch et à Anna Steinhausen et à toute personne qui connaît ou a eu des relations avec Betsy Crane. J'applique la procédure. Ouais. Je comprends. J'ai une course à faire. Vous pouvez dire à mon père que je passerai le récupérer au poste plus tard. Bien sûr. Salut. Travis m'a dit pour Betsy. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un couple qui vit sur les hauteurs a entendu une explosion. Ils ont appelé aux environs d'une heure du matin, mais le temps que les pompiers arrivent, le camping-car était totalement ravagé par les flammes. Betsy était à l'intérieur ? Oui, mais le légiste a dit qu'elle a été tuée avant. Traumatisme contondant. Et ils ont mis le feu au camping-car après ? Avec du kérosène. D'accord, merci. Oui. Mon père, il est où ? Votre père nous a donné la permission de perquisitionner chez lui. Pourquoi ? Amy, il est en état d'arrestation. Comment ? Pour incendie criminel et suspicion de meurtre. C'est une plaisanterie, pour quel motif ? Les preuves qu'on a. Quoi ? Mais quelles preuves ? Les preuves qu'on a trouvées dans le coffre de sa voiture. Mes coéquipiers ont trouvé un bidon de kérosène vide. C'est le même kérosène qui a servi à mettre le feu au camping-car de Betsy hier soir. Alors d'un coup, mon père serait allé acheter du kérosène. Et on a aussi trouvé un presse-papier avec du sang dessus. Alors, on va comparer les prélèvements d'ADN qu'on a prélevés sur une brosse de Betsy qui était dans sa voiture de location, mais je ne suis pas très optimiste. Une seconde. Mon père a l'habitude de ne jamais fermer sa voiture quand il la laisse garer dehors le soir. Alors peut-être que quelqu'un a mis ça pour l'accuser. Quelqu'un a piégé mon père.
Amy. Vous allez pas me dire que vous croyez que mon père est un assassin? Écoutez, ce que je... Papa, attendez. T'inquiète pas, chérie. Papa, je vais appeler ton avocat. Appuyez doucement. Voilà. Tenez ça ici, monsieur. Regardez l'objectif. Chérie. Alors, viens là. Ça va? Ouais. Pas de contact, s'il vous plaît. C'est ma... Désolé. D'accord. On va dire que ce sera un bon sujet pour un prochain roman, tu trouves pas? Pardon, mais je trouve pas ça drôle. Ça va aller, chérie. Je le sais. J'ai parlé à ton avocat, il va envoyer une avocate spécialisée en affaires criminelles qui vient de Seattle. Elle s'appelle Gia Palladino. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu parles ni à Travis, ni à personne d'autre tant qu'elle ne sera pas là pour te défendre. Ok? J'ai compris. Merci. Je vais te sortir de là. C'est le travail de l'avocate. Je ferai le mat. Quelqu'un a tué Betsy Crane. Je ne veux pas que tu cours après cette personne, tu m'as compris. Tu vas me promettre de ne pas le courir après. Je te le promets. On se reparle plus tard. Ok. La nouvelle avocate de mon père s'appelle Gia Palladino. Elle arrive de Seattle. Alors merci de ne pas parler à mon père avant qu'elle soit là. Pas de souci. J'arrive pas à croire ce que vous avez fait. Amy, je suis lieutenant de police. Les règles prévalent. Je devais respecter la procédure. Oui, et pendant que vous faites ça, moi je vais enquêter pour savoir qui a piégé mon père. Ça ne m'étonne pas. Vous n'allez pas m'empêcher de le faire. Vous ne m'écouterez pas, c'est votre père. Alors je vais être franc. Je ne crois pas que Graham soit le tueur et j'espère très sincèrement que l'un de nous prouvera son innocence. C'est ce que je vais faire. Bud, salut, retrouve-moi dans ma salle de classe. Mon père a été arrêté. Ah, Oli a tenu à m'accompagner. Pas de souci. Oh, Amy. Oh, c'est gentil d'être venue. J'ai pris du café. Et moi, j'ai pris le tableau pour qu'on puisse y inscrire les suspects et nos théories. Merci beaucoup. Voilà l'histoire. Mon père ne veut pas que je m'occupe de cette affaire. Et je peux comprendre ses raisons, au fond. Parce que quelqu'un a tué Betsy Crane. C'est une affaire dangereuse. Alors, j'apprécie que vous soyez venus tous les deux, mais je préférerais que... Hey, on est là, on est avec vous. Totalement. Ouais. Merci. Allez, on se met au travail. Ok. On va commencer par... Phil Jack. C'est un flic corrompu, enclin à la violence, qui va certainement perdre son travail prochainement, et Betsy a une dette de 10 000 dollars envers lui. C'est lui. Mais nous avons aussi Rick Fitch. Il a été un très bon ami de mon père bien avant ma naissance, ils étaient très proches, jusqu'au jour où il a plagié un livre de mon père en faisant son premier roman d'auteur. Là, on a un bon candidat. Et là, nous avons aussi la super fan harceleuse Anna Steinhausen. En ce qui la concerne, je suis pratiquement sûre que c'est elle qui a crevé le pneu de la voiture de mon père, ce qui voudrait dire qu'elle n'a pas peur d'enfreindre les lois. Ouais, ça pourrait bien être elle. Un des scénarios serait que Phil Jenk voulait continuer la houleuse conversation qu'il avait avec Betsy Crane en privé, et la discussion aurait dégénéré. Et il l'aurait tué. Peut-être, mais j'ai aussi entendu Anna menacer Betsy pour avoir trahi mon père, et elle lui a même souhaité de finir comme une des victimes qui se faisait tuer dans un de ses romans. Ah ouais? Elle serait passée à l'acte? Oui, mais je vois vraiment pas pourquoi elle voudrait que mon père se retrouve accusé, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Mais on peut pas écarter le policier corrompu qui a été une relation de travail de mon père. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait le piéger sans hésiter, c'est ce gars-là. Surtout qu'il le connaît parfaitement. Ça, c'est vrai. Revenons à Rick Fitch. Donc, Rick vient ici pour enterrer la hache de guerre avec mon père, mais ça aurait pu être une ruse pour couvrir le fait qu'il est au fond très jaloux
du succès de mon père. Ça se tient aussi. J'en sais pas beaucoup sur la relation que pourraient avoir Rick et Betsy, mais par contre, j'ai surpris une conversation tendue qu'ils avaient tous les deux. Ils disaient quoi ? Betsy a dit que... Elle a dit qu'elle l'achèverait s'il faisait quelque chose. S'il faisait quoi ? Ça, je sais pas, j'ai pas entendu. Peut-être qu'il l'a tué et c'est après qu'il a eu l'idée de faire accuser ton père. Ouais, Rick serait capable de faire ça. Il reste quelqu'un. Celia Bunton, la nouvelle éditrice. Pourquoi elle voudrait tuer Betsy ? Et faire porter le chapeau à ton père. Je sais pas, je dis juste que ça pourrait être aussi une possibilité. Amy, tu l'as peut-être ajoutée au tableau parce que tu n'aimes pas que ton père ait une relation avec elle. Non mais franchement, je mettrais quelqu'un sur ce tableau. Des meurtriers potentiels juste parce que je serais... Quoi ? Bonjour. Oh, Amy. Celia ? Est-ce que votre père va bien ? Il est... Pourquoi vous demandez ça ? Je suis allée chez Graham et il y avait plein de policiers chez lui. Ah, mais vous, vous avez disparu hier soir. Oh, oui, je suis désolée. Je ne supporte pas la violence. Alors dès que quelqu'un monte un peu la voix, vous partez en courant ? Non, mais j'ai reconnu cet homme. Phil Jenk ? En fait, je le connais sous le nom de Peter Jankowski. Ça remonte à des années, j'étais une jeune éditrice et lui, il travaillait à la police de New York. Il est venu me proposer un livre, basé sur son temps passé à la Brigade des Mœurs. L'idée me semblait intéressante, mais en réalité c'était mal écrit et très ennuyeux. Je lui ai dit la vérité et il l'a très mal pris. Il a débarqué à mon bureau, il était fou de rage. Heureusement qu'un agent de sécurité était là. Au procès, il a eu une ordonnance d'interdiction de m'approcher. Après ça, j'ai entendu dire qu'il avait quitté New York. C'était il y a des années et c'est revenu aujourd'hui comme un boomerang. Oh, je suis tellement désolée. Merci. Et sinon, pour Graham... Betsy Crane a été assassinée et ils sont venus arrêter mon père. C'est pas vrai. Si. Ils l'ont arrêté pour quel motif ? Ils avaient des preuves. L'arme du crime et aussi le kérosène pour mettre le feu au camping-car. Ils ont tout trouvé dans le coffre de sa voiture. Non. Non, mais c'est de la folie. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on était en train de... Bud. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est bien, c'est juste un tableau sur lequel on marque toutes les pistes possibles. Et il y a pas mal de monde sur le tableau. Bien sûr. Je crois quand même que vous devriez appeler Travis pour lui parler de votre histoire avec Jenk. Oui. Oli et moi, on fait quoi ? Eh bien, j'aimerais avoir des renseignements sur Anna. Si vous pouviez essayer de contacter le fan club de Graham Winslow à Francfort pour en savoir un peu plus. Ouais, bien sûr. Ok. Et moi, de mon côté, je vais essayer de trouver Rick Fitch pour lui parler. Hôtel Palmer, j'écoute. Oui, bonjour, j'aurais aimé parler à un de vos résidents, monsieur Rick Fitch. Un instant, s'il vous plaît. Il le contacte. Est-ce que vous avez déjà été en affaire avec cet auteur, Rick Fitch ? Je l'ai rencontré au cocktail de l'autre soir, mais à part ça, non. Et sinon, vous connaissez Betsy ? Non. Désolée, madame, je n'arrive pas à le joindre. Vous souhaitez laisser un message ? Oui, est-ce que vous pouvez lui dire d'appeler Amy Winslow au 56 45 55 27 10 ? Bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Oh. Je suppose qu'il va falloir que j'essaie de le rappeler plusieurs fois, sinon... Ouais. Phil ! Dites à Bud d'appeler Travis ! Désolé, j'ai oublié mon passe. Désolé. Vous allez bien ? Ça va pas ? Pardon, excusez-moi. Phil, arrêtez ! Ok ? Y a pas d'autre issue. La course est terminée. La police est en chemin. Je sais ce que vous avez fait à vos supérieurs à Reno, et je sais aussi ce que vous avez essayé de faire à Celia Bunton à New York. Mais pourquoi avoir fait ça à Betsy Crane ? Je l'ai pas tué. Alors pourquoi vous vous enfuyez ? J'ai pas le droit de m'approcher à moins de 500 mètres de cette femme. J'ai assez de problèmes comme ça.
J'ai pas besoin qu'on me colle en plus le meurtre de Crane sur le dos pour sauver votre père. Phil, est-ce que vous vous êtes envoyé cette invitation pour pouvoir venir ici approcher Betsy? Écoutez, j'ai plus un rond. Je vais sûrement être envoyé en tôle prochainement. Alors posez-vous cette question. Pourquoi j'irai tuer cette femme alors qu'elle me doit encore 10 000 dollars? Hein? J'en sais rien. La violation de son ordonnance restrictive me donne l'occasion de le mettre en détention et je vais faire une demande de mandat au juge pour pouvoir fouiller sa chambre d'hôtel. Parfait. Vous allez bien? Oui. Merci beaucoup, à Amy et à vous. Oh. Excusez-moi. Elle espérait avoir le droit de rendre visite à mon père. Ah, oui. Ça va? Oui, je vais bien. Pardonnez-moi, j'ai un petit souci, une urgence à traiter. Je dois vous abandonner. Je comprends. On reste en contact? Ok. Merci. À plus tard. À plus. Ok. Comment ça va? Ça va. Travis a arrêté Jenk et va perquisitionner sa chambre d'hôtel, donc bonne nouvelle. Génial. Nous aussi, on a du nouveau. D'accord. Le fan club de Graham Winslow à Francfort existe bien et il est dirigé par Anna Stenhausen. Oui, et en quoi c'est une bonne nouvelle? Parce que j'ai décortiqué chaque page du site et au bas d'une page de leur blog, j'ai trouvé les photos des membres fondateurs. D'accord. Et voici Anna Stenhausen. Il ne nous reste plus qu'à découvrir qui est notre imposteur. Pouvez-vous appeler Mademoiselle Anna Stenhausen et lui dire qu'Amy Winslow l'attend à l'accueil avec l'œuvre intégrale de Graham Winslow dédicacée spécialement pour elle? Bien sûr. Merci. Amy Winslow c'est vous bon. Attend à l'accueil. J'ai rechargé la page. Super. Laisse-moi voir. Ah! Alors! Vous... Où sont les... Les livres? Oui, j'ai menti pour les livres. Comme vous, pour votre identité. C'est pas... Oui, je sais, c'est pas vous. Alors, soit j'appelle la police et je vous fais accuser pour usurpation d'identité, ou... Vous me dites toute la vérité. Je voulais juste me rapprocher de Graham. Nous avons un lien. Je le sais. Et je pensais que ce serait beaucoup mieux si je disais que je venais d'un endroit exotique et lointain. D'où vous venez vraiment? Fresno. Quel est votre nom? Joyce. Joyce comment? Van Vliet. Vous êtes la femme d'Arnold Van Vliet et c'est vous qui l'avez éliminé. Oui. Bud, appelle Travis. Je lui dis quoi? Tu vas lui dire que Joyce, ici présente, a tué son mari devant la maison de mon père. C'est bien ça, Joyce. Arnold détestait ce lien que j'avais avec Graham. Il m'a suivi jusqu'ici. Jusqu'à la maison de Graham. Et je lui avais bien dit. Je l'avais prévenu de ne pas tenter de briser ce lien qu'il y avait entre Graham et moi. J'ai juste essayé de lui faire peur. J'avais pas l'intention de le tuer. On vient de retrouver l'arme du crime. Elle était dans la boîte à gants. On va voir si cette femme a un lien avec le meurtre de Betsy. Maintenant, on sait qu'elle est capable d'un homicide et qu'elle est obsédée par votre père. Ouais, c'est déjà ça. Et aussi Phil Jenk et Rick Fitch. Et... Ouais, ouais. Oh, désolé. Hôtel Palmer, la réception, C'est Amy Winslow. Je vous ai laissé un message hier pour Monsieur Rick Fitch. Oui, le message est toujours là. Mais Monsieur Fitch n'est pas revenu. Ok, très bien, merci. Bon, on dirait bien qu'il ne veut pas me parler. Ouais, ben avec moi, il n'aura pas trop le choix. Je m'occupe de lui. Parfait. Ouais. C'est ce qu'on appelle une sacrée soirée, hein. Comme le dirait Hercule Poirot, nous devons ménager nos petites cellules grises. Et au fait, Travis, je tenais vraiment à vous remercier pour tout. Je ne fais rien d'autre que mon travail.
C'est vous que je devrais remercier. Vous menez cette enquête avec brio. Merci beaucoup. C'est rien. Vous avez mérité d'aller ménager vos petites cellules grises. Bonne nuit. Et franchement, vous êtes beaucoup plus jolie qu'Hercule Poirot. Rick et moi avec G. Les tourtereaux. Arrêtez ! Ah oui, je suis tellement désolée, je sais que c'est aujourd'hui sa conférence. Mais je m'en fiche complètement de la conférence. Comment allez-vous, Graham, et toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon père est innocent et j'essaie de trouver des preuves. J'espérais que tu dises ça. Fais-le libérer et ne te fais pas de soucis, je gérerai le festival. Je te remercie. Mais de rien. Allez, vas-y. Salut. Alors ? C'est qui le cambrioleur ? Alors d'abord, quand on a fouillé la maison de votre père hier, entre autres choses, on a trouvé des micros placés partout. Des micros ? Ouais. Comme Et quand on met quelqu'un sur écoute. Alors quand on a arrêté Jenk, on est allé fouiller sa chambre d'hôtel, et on a trouvé du matériel d'écoute et d'enregistrement placé dans deux endroits. La maison de votre père. Et ici. Exact. Ah oh, mais oui ! La première fois que j'ai rencontré Jenk ici, il pensait que c'était toujours le bureau de mon père. Ouais, c'est logique. Alors... Hey ! Vous avez bossé ? Ouais. Donc, Jenk ne voulait pas prendre quelque chose, il voulait en fait laisser quelque chose. Ah. Vous avez trouvé ? Bingo. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il voulait mettre mon père sur écoute. Je sais pas. Peut-être que... Vous vous souvenez qu'il a tenté de faire chanter ses supérieurs à Renault en les enregistrant ? Ouais. Il voulait aussi coécrire un livre avec votre père. Ouais. Moi, ce que je crois, c'est qu'il voulait le forcer à écrire en le faisant chanter avec des infos compromettantes. Des infos compromettantes. Ah, ça se voit qu'il connaît pas bien mon père. Non. Ouais. Sinon, est-ce que vous êtes arrivé à relier Jenk ou Joyce à l'incendie du camping-car de Betsy ? Non, pas encore. J'ai besoin de parler à mon père. Papa, je suis en train de chercher qui a pu tuer Betsy. Amy. Ah. Tu m'as pourtant promis que tu ne le ferais non, pas. Non, c'est pas exactement ça, t'as mal interprété. Ce que je t'ai promis, c'est que je comprenais que tu veuilles pas, mais la vérité, non, non, ça, c'est du verbiage pour masquer que t'as pas tenu parole. Je fais ce qui est juste. Amy, je crois non, que t'as pas bien compris. Non, c'est toi qui as pas compris. Maman est partie beaucoup trop tôt et je refuse qu'on m'enlève mon père aujourd'hui, je refuse. Alors je vais faire ce que j'ai à faire pour t'aider. Et que tu sois d'accord ou pas, j'irai jusqu'au bout, j'ai pas d'autre choix. D'accord. J'ai besoin que tu regardes quelque chose pour moi.
Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ces photos? Hemingway et Fitzgerald. C'est comme ça que ta mère nous surnommait, Rick et moi. Ouais. Vous étiez très bons amis, tous les deux. Ouais. Mais vous étiez rivaux. Et pas seulement en écriture, apparemment. Tu peux jeter un œil à cette photo? La syntaxe est assez claire. Rick et moi avec G. Rick était son petit copain avant que vous vous mariez. Et... il la pressait pour qu'elle l'épouse, mais... ta mère ne voulait pas. Alors elle l'a quitté. Quelques mois plus tard, on sortait ensemble. Mais je veux être clair. Je suis pas responsable de leur séparation. Et forcément, Rick n'est pas du même avis que toi. Non. Ensuite, il a volé mon livre. Rick ne s'est jamais marié? Non. Non. Tu vois, toi et maman, vous avez eu un magnifique mariage. T'es devenu un auteur à succès, t'as réussi. Tout ce que Rick a toujours souhaité. Hé, Travis, je crois qu'on va devoir aller parler à Rick Fitch. Donc, Rick débarque à Garrison en prétendant enterrer la hache de guerre avec mon père, mais c'était peut-être pour se rapprocher de lui et mieux le manipuler. Tout ça, ça tient la route, mais pourquoi tu es Betsy Crane? Célia, est-ce qu'il serait possible que Betsy ait avancé de grosses sommes d'argent à Rick pour un livre qu'il n'aurait jamais fini? Je dirais que oui, bien sûr. On a le mobile. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Travis part à la recherche de Rick pour l'interroger. Donc, ce qu'il faut... ah bah tiens, justement, c'est lui. Eh bah, ça a été rapide. Vous avez parlé à Rick? Non. Ça va pas être possible. Rick Fitch est mort. Mort? Ouais. Quoi? Ouais, je sais. Hé! Mon coup de fil n'était pas une invitation à me rejoindre sur une scène de crime. Je sais, mais je tenais à me rendre compte par moi-même. Merci. J'arrive pas à comprendre tout ça. Tout ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Betsy nous a dit que Rick était casanier et qu'il détestait la nature. Pourquoi il serait venu faire de l'escalade? Soit Betsy s'est trompée, ou alors Rick s'est découvert une nouvelle passion. En voyant la beauté des lieux. J'ai trouvé quelque chose par ici. Une seconde. Montrez-moi. Téléphone de Rick? C'est pas le téléphone de Rick, c'est celui de Betsy Crane. Quoi? Une minute donc, si Rick a le téléphone de Betsy... Ça veut dire qu'il l'a pris après qu'il l'a tué. Ce qui est innocente, mon père. Je vais demander un nouveau mandat. Sécuriser la scène de crime. Ça marche. Bonjour, lieutenant. Oui, j'ai un nouveau mandat de perquisition, mais cette fois-ci, c'est pour fouiller la chambre de Rick Fitch. Vous pouvez m'ouvrir? Bien sûr. Merci. Je vais vous demander de m'attendre ici. Quoi? Mais vous plaisantez? Écoutez, Amy, il faut que les choses soient faites dans les règles. C'est bon. Alors? Ben, j'ai pas trouvé son téléphone, mais je viens d'appeler le labo. Parce que j'ai clairement senti du kérosène dans le placard de Rick. Et j'ai aussi trouvé des traces de sang. Et voilà, il a piégé mon père. Mais il y a quand même un truc qui me paraît bizarre. Pourquoi il aurait entreposé les choses ici? Pourquoi ne pas les avoir transportées directement du camping-car à la voiture de votre père?
J'en sais rien, mais ça devrait être suffisant pour libérer mon père, pas vrai? Non, mais regardez qui je vois là. Ça va. Ouais, je vais bien. Je vais très bien. Super. Salut. Non, 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 non. Non, vous aviez un travail à faire et vous l'avez très bien fait. On en est là. Merci. Graham. Oh, Célia, que je suis content. Alors, oh, doucement, moi aussi, ça me fait plaisir. Pardon, vraiment. Ah, tout va bien. Moi aussi, moi aussi. Eh, hey, j'ai une idée. Je vous propose à tous les trois de se refaire une soirée tapas pour fêter ça. C'est une bonne idée. À 8 heures, ça vous dit? Oui, 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 pour moi, pas de problème. Amy? Oui, oui, évidemment. Je suis ravi. Graham, désolé de devoir vous parler de travail maintenant, mais on vient d'avoir une proposition d'adaptation pour le cinéma que nous pouvons difficilement refuser cette fois. On peut en parler? Si vous pensez que c'est une bonne idée, je vous écoute. Au revoir. Bye. Au revoir. Oui, alors je vous... Vous allez bien? Ouais. Ouais, je vais bien. Il l'aime beaucoup. Et pour être honnête avec vous, moi aussi. Je vous offre un petit café. Allez, venez. Tenez. Ah, merci. Est-ce que c'est... Oui, l'arme du crime. J'ai déjà vu ça quelque part. Vous en êtes sûr? Je sais où je l'ai vu. Merci beaucoup. Vous voyez? Juste là. Que puis-je pour vous? Je voudrais savoir, elles viennent d'où ces statuettes? Oh, elles sont fabriquées exclusivement pour l'hôtel. Parce qu'il y en a plusieurs? Oui, on en trouve dans toutes nos chambres. On aurait besoin de retourner dans la chambre de Rick. Merci bien. Ah, il n'a pas utilisé sa chouette pour tuer Betsy. Oui, à moins qu'il ait demandé qu'on la remplace. Ouais, c'est possible. La réception? Oui, c'est le lieutenant Travis Burke. Est-ce que quand il était dans sa chambre, Rick Fitch vous a demandé de faire remplacer la statuette presse-papier? Pas monsieur Fitch, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un d'autre vous l'a demandé? Oui. Qui? Ce sont les numéros de chambre des personnes que vous m'avez demandé. Ah, c'est bien. Merci, Sharon. D'accord, très bien. Merci à vous. Qu'a dit la maison d'édition? Eh bien, ils ont confirmé pour les contrats et les droits et ils vous enverront les documents par mail. Regardez un peu ça. Ces chambres-là. Elles communiquent entre elles. Ah. Et jetez un coup d'œil à ça. Vous avez vérifié si ce matériel a été acheté au magasin de sport de Garrison? J'ai été un peu occupé, je crois. Ouais, mais si on y allait maintenant? D'accord. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Au revoir. J'espère que vous êtes là pour m'annoncer que je suis libre. J'ai bien peur que non, Phil, parce que vous voyez, je sais exactement ce qui s'est passé. Souvenez-vous de ce qu'on cherche. Ouais. Oh, lieutenant. Bonsoir. Je croyais qu'on s'était dit à 8 heures. Ça vous embête si je rentre une seconde? Je vous en prie. Merci. Allez-y, entrez. C'est gentil. Oh, Amy, est-ce que vous voulez que je fasse monter un room service? On a besoin de vous parler, Célia. Parler de quoi? Vous savez ce qu'il y a de marrant avec ces chambres d'hôtel? Ce sont toutes ces petites choses qui disparaissent dans le décor, comme... un presse-papier, par exemple. Je veux dire, combien de personnes remarqueraient un presse-papier? Et surtout... combien de personnes appelleraient la réception de l'hôtel pour leur demander de faire monter un autre presse-papier dans leur chambre? Désolée, je vous suis pas... Vous, vous l'avez fait. Mais... hier, par exemple. Comment saviez-vous qu'il manquait un presse-papier dans la chambre, à moins que vous soyez celle qu'il a pris de cette chambre et qu'il a utilisé pour commettre un meurtre? Amy, je crois que vous avez un peu trop lu les livres de votre père. Oh, c'est drôle que vous disiez ça, justement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Des livres de mon père.
et en particulier des 5 premiers qui ont été publiés par Betsy Crane. J'ai passé un petit coup de fil à la maison d'édition aujourd'hui. Ils m'ont envoyé un contrat qui donne l'exclusivité des droits pour produire une franchise cinématographique d'Atticus Keller à... Je vais vous simplifier la tâche, c'est écrit ici... Betsy Crane. Et elle vous a fait passer des petits messages codés qui s'adressaient directement à vous à 2 reprises et aux yeux de tout le monde. La première fois, c'était dans ce mot adressé à mon père et qu'elle savait que vous verriez. Donne ça à ton père. C'est le droit chemin. La deuxième fois, c'était lors de la dispute au bar. Un contrat vous engage. Un contrat, c'est une preuve. Alors dans ce cas précis, j'ai tous les droits. C'est là que vous avez disparu. Vous avez dit... Je ne supporte pas la violence. C'est pas du tout la violence qui vous gênait. Vous, ce qui vous obsédait, c'était les millions que vous pourriez avoir en faisant un film et qui, là, allaient vous échapper parce que Betsy Crane avait les droits. Alors, vous avez eu l'idée de balancer le passif de ce premier roman sur un blog pour lui mettre la pression, mais ça n'a pas marché. Elle a dit très clairement en se tournant vers vous, « J'ai tous les droits. » Et ça, ça vous a rendu dingue. Alors, vous êtes allé à son camping-car avec un de ses presse-papiers. Non, mais enfin, c'est de la folie. On dirait du mauvais Agatha Christie, vous n'y croyez pas quand même. Eh bien, j'ai parlé à Phil Jenk. Je sais exactement ce qui s'est passé. On a arrêté Celia Bunton. Vous avouez ou je vous fais arrêter pour complicité de meurtre. J'ai bluffé Jenk. Et il s'est couché. Je pensais plus du tout la revoir après ce qui s'était passé à New York. Mais elle m'a dit qu'elle me pardonnait pour ce qui s'était passé. Elle m'a donné une avance de 10 000 dollars et elle devait m'en redonner 10 000 à la fin du festival. Elle m'avait aussi promis un rôle de consultant sur les films. C'est elle qui vous a envoyé l'invitation avec le petit message ? Ouais, je trouvais ça énorme. Je me disais que personne n'y croirait, mais vous avez marché. Pas longtemps. Elle vous a fait mettre la maison de Graham et le bureau d'Emmy sur écoute. Elle voulait savoir ce qu'il pensait. Et pour Betsy, alors ? Ça faisait pas partie du tout du deal avec Celia. C'est Betsy qui m'a entraîné là-dedans. Je suis surprise que vous donniez du crédit au propos d'un policier corrompu et manipulateur. C'est compté sans ce que nous a dit Rena Correa. Parce que je suis censée la connaître. Oh, elle tient le magasin de sport de Garrison. Oui, c'est nous qui avons vendu ce matériel. Ça remonte à quelques jours de ça. À cet homme ? Non, je me souviens pas de lui. C'était une femme élégante avec une coupe au carré. Là, je ne comprends vraiment pas le rapport avec du matériel d'escalade. Stop ! Ça suffit, Celia, stop ! Vous avez assassiné 2 personnes et Travis a toutes les preuves suffisantes pour vous envoyer derrière les barreaux. Je ne suis pas allée au camping-car avec l'intention de faire du mal à Betsy. C'est tout le contraire. J'ai appris que Betsy avait un tempérament agressif, alors j'ai emporté ce qui pouvait éventuellement me servir d'arme pour me défendre. Le ton est rapidement monté et on s'est battu. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Cet accident est arrivé. J'ai trouvé du kérosène dans la caravane. Et j'ai édité suffisamment de romans policiers pour savoir qu'une victime a besoin d'un coupable. Le vôtre se trouvait dans la chambre d'à côté. Il avait des relations assez tendues avec Betsy. Mademoiselle Celia Bunton est ici, et à côté, c'est Monsieur Rick Fitch. J'ai remarqué que vos 2 balcons étaient adjacents. C'était facile de passer l'un à l'autre, et donc facile de cacher les preuves incriminantes dans la chambre de Rick. Et vous, vous avez peut-être pensé que la chambre de Rick était vide. Mais elle ne l'était pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à dormir dans les lits d'hôtel. Je vous donne un tuyau. Vous prenez un bon bain bien chaud juste avant de vous mettre au lit. Rick aurait pu aller voir Travis. Et je suis sûre qu'il y a certainement pensé. Mais il a surtout pensé au succès impressionnant qu'avait mon père parce que c'est ça la vie dont il avait toujours rêvé. Et puis il y avait eu cette histoire avec ma mère, mais vous ne pouviez pas la connaître. Rick sortait avec ma mère avant mon père. Et je suis absolument certaine qu'il était toujours amoureux d'elle. Alors quand il a appris qu'elle était morte, il a dû ressentir beaucoup de choses. Il devait être bouleversé. Il est venu ici au festival pour enterrer la hache de guerre avec mon père. Et vous, vous lui avez donné une chance de déterrer cette hache pour se venger. Quand vous avez appris que mon père avait été arrêté, vous saviez ce que Rick avait fait. Et il est venu vous voir. Il m'a appelé. Pardonnez-moi, j'ai un petit souci, une urgence à traiter. Je dois vous abandonner. Il m'a demandé de publier ses livres, sinon il dirait tout à la police. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que vous étiez en possession du téléphone de Betsy. Vous lui avez donné rendez-vous au ravin. Rick ?
Célia, venez me rejoindre, nous parlerons de notre contrat d'édition. Vous avez organisé une sortie escalade, et vous avez éliminé Rick comme vous l'aviez fait avec Betsy Crane. Sauf que cette fois-ci, c'était avec une pierre. Ça ferait passer ça pour une chute. Ironique, n'est-ce pas? Puisque c'est moi qui tombe. Célia Bunton, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office par l'État de Washington. Je lui dirai. Papa? Ah, chérie, j'ai essayé de t'appeler. Comment ça se fait que je pouvais pas te joindre? Qu'est-ce qui se passe? Célia, qu'est-ce... Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Papa, tu veux venir t'asseoir une minute? Le brunch est servi, le buffet est ouvert. Ouh, buffet à volonté. Bud connaît bien la maison, hein? Ok, avant qu'on s'assoie et qu'on dévore tout ça, Amy tenait à ce que je vous fasse un long discours. C'est pas vrai. Bon, ok. Je tenais quand même à vous dire une chose. Je suis extrêmement touché du soutien que vous m'avez tous apporté. Travis, merci d'avoir fait preuve de détermination et d'honnêteté du début à la fin. Et merci à mon amour de fille qui... Allez, à Amy et Travis. Ouais. À Amy et Travis. À Amy et Travis. Ouais. Au talent de Graham. Et au talentueux cuisinier. Merci. Santé à tous. J'ai l'impression qu'il rebondit plutôt bien. Ah, ouais, il est en train d'écrire un nouveau livre. Atticus tombe amoureux d'une criminelle. Waouh. Ouais. Écrivez sur ce que vous connaissez, comme disait Mark Twain. J'aime bien. Je voulais vous dire quelque chose. Merci du fond du cœur. Merci pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas abandonné. Non, c'est pas moi. C'est vous qui avez tenu bon et qui vous êtes battu jusqu'au bout. Bah, merci de m'avoir soutenu dans la bataille, alors. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est délicieux, tout ça. On prendra bien un petit peu de jus d'orange. Allez-y, les amis, allez-y.